Trouvez cette petite chose. Vous seul pouvez le garder. Je sens que mon destin est lié à cet enfant. Prenez. Dites-vous que c'est un présent qu'il vous offre. Je ne sais pas lire. Vous savez, alors apprenez-lui ce qu'il y a dedans. La mutation de l'univers. La mutation de l'univers? C'est ça qui est écrit? C'est ça. Cet enfant est fait pour les arts martiaux. Ce sera un excellent disciple. Vraiment? Prenez soin de lui alors. Moi je m'en vais. Au revoir! Ton kung-fu aérien a progressé. La prochaine fois, tu prendras appui ailleurs. Et mets des chaussures, espèce de bon à rien. L'univers est né du ciel et de la terre. Chaque vie, à l'origine, vient du yin et du yang. Grand maître, je ne comprends pas. Dans ce monde, tout ce qui est vivant est intensément lié au ki. Car ce monde est fait de minuscules particules, et la mutation de l'univers se sert du ki pour désassembler ces particules. Il les dissocie, puis il les reconstruit, le tout en une seconde. Le temps et l'espace se figent. On peut même remonter le temps.
Je m'appelle Fang Shijin. J'ai grandi dans cette école de Kung Fu. Mon maître m'a dit qu'on m'avait trouvé près d'un terrain de basket. Alors maintenant, dès que j'entends le son du ballon dribbler sur le sol, mon cœur s'emballe. Là aussi, mon cœur s'emballe. Mais il ne s'agit pas d'une crise cardiaque. C'est à cause d'elle. Ah, je suis trop vieux pour les histoires d'amour. Wouhou! Mais si on s'étend sur le sujet, je dirais que de ce côté-là, on ne peut pas dire que je suis à plaindre. J'ai connu trois filles qui se seraient sacrifiées pour moi. La première fille que j'ai rencontrée voulait se tuer pour moi. Si tu n'arrêtes pas de me suivre, eh bien je me tuerai. Quand j'étais adolescent, une jeune fille m'avait proposé de m'attendre jusqu'à une prochaine vie. Si tu veux devenir mon amoureux, attends une prochaine vie. Quand j'étais pauvre et seule, une fille était même prête à se suicider avec moi. Si tu ne veux pas me rendre mon argent, je sauterai avec toi. C'est une école de kung-fu, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est ici que j'ai grandi. Enfin, techniquement parlant. Depuis la mort de mon maître qui m'expliquait l'univers, je suis devenu un rebelle. Voici les maîtres Fei et Wu. Ils perpétuent les traditions de Shaolin et de Wudang de génération en génération depuis près d'un siècle. Il y avait aussi un couple, le maître Ni et le maître Huan. C'était rentré dans les mœurs de les voir. Quelqu'un d'autre à l'école que vous devez connaître. Il est aussi appelé Point d'acier en ce monde. Notre maître, Wang Biao. Vous avez compris ? En art martial, je suis le meilleur. Je suis son souffre-douleur, mais la douleur ne m'atteint pas. Si vous suivez mon Tant que j'avais mon gilet en métal, je ne sentais rien du tout. Je n'avais pas mal. Combien de fois dois-je te le répéter ? Ne mets pas ce gilet en métal quand je dois cogner. Pour la peine, tu seras puni, voilà. Pas de dîner ce soir. Et fiche le camp d'ici. Thank you.
Il est tard, tu ne rentres pas chez toi? On m'a mis dehors. Tu as l'intention de dormir ici? Oui, pourquoi pas? Ça vous dérange? Bien sûr que oui. Ah, et pourquoi? Parce que j'ai de l'instinct et me dit que ce soir, tu n'as rien mangé. J'ai pas faim. Si, tu as faim, mais tu n'as pas d'argent. Tiens. Non, merci. Pourquoi? Vas-y, prends-la. Pour un pari. Si tu y arrives, mets cette pièce dans ma bouche. Et je t'invite à dîner. Pas de si près, c'est trop facile. Pas trop loin non plus, sinon c'est pas du jeu. Je sais viser, hein. Cuisine française. Ça te tente? C'est trop cher. Si je propose, c'est que je peux. Attends. On va être reçus comme des VIP. Mais il faut passer par une autre entrée. Viens. Ouais, ça va? Et toi? Et toi, Fa? Vous connaissez bien les heures des repas, hein? Fiche ma peau. Ici, ils sont comme chez eux. Ils sont un peu comme moi. Ils ne veulent pas rentrer. C'est un peu comme si j'étais leur maître. Mais moi aussi, j'ai un maître. Bon, bah oh! Ah, papa! Je te présente ma fille, elle s'appelle Bao. Alors dis-moi, est-ce qu'elle me ressemble? Pas trop, il paraît. Tu ne devais pas venir aujourd'hui? Bien sûr que si, et j'amène un invité de marque. Prépare-nous deux couverts, ok? Je vous propose des escargots. Il nous en reste des tonnes ce soir. Et comme plat, je vais vous faire des bons steaks. Ah, santé. Un mélange 92-94. Papa, tu as un palais vraiment extra. En effet, c'est un mélange de 92, 94 et 96. J'ai pris les restes de trois tables différentes. Les gens choisissent les vins par année. Moi, je préfère les décennies. Les années 90 sont de vraies merveilles. Alors, tes escargots? Prenez votre temps, il faut que j'aille inspecter les restes. T'inquiète pas. Allez, portons à tous. À notre plan. De quel plan est-ce que vous parlez? J'ai un très bon plan. Deux épées en une. Tes capacités d'athlète et mon cerveau. Tu as vu sa couleur? Elle est magnifique. Ça donne un meilleur goût. C'est certainement le meilleur whisky du 21e siècle. Tu veux goûter? Il est excellent. Naturellement. Et il coûte 1000 dollars de moins que du véritable whisky. Les consommateurs en général n'y voient que du feu. Quand c'est cher, c'est que c'est bon. Salut, Ou. Un abruti veut parier sur un tournoi de fléchettes. Il veut miser 200 dollars la partie. Tu sais que je suis un crack. J'ai jamais perdu une partie. Ok. Hein? Écoute-moi, si on remplit ces bouteilles avec ce faux whisky, personne n'en saura jamais rien.
70% pour moi et 30% pour toi, ça te va? Encore 200, s'il te plaît. Ah oui? Pourquoi? Tu perds jamais, hein? Cette fois, je sens que je vais gagner. Je vais être réglo jusqu'au bout. Un billet pour moi et un pour toi. Un autre pour moi et un autre pour toi. Encore un autre pour moi. Je voulais rencontrer le champion. Ah, c'est toi, Hou. Oh, j'avais oublié qu'on était sur ton territoire. Tiens, disons que nous avons perdu. Tiens. Tu me voles mon argent et ensuite tu me le rends. Tu peux m'expliquer? Hein? Souviens-toi, j'étais un ami de ton pauvre papa. Je te voyais souvent. Tu m'as même pissé dessus un jour où je te tenais. Fang, dépêche-toi. On a quelqu'un à voir. Allez, on y va. Tu mangeras une bonne glace ailleurs. Allez, dépêche-toi un peu. Salut, allez. Un 85, c'est super bon, 85. Un chevelet. Votre décision? Est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre? Cette réunion doit avoir lieu dans le plus grand secret. Portes et fenêtres fermées. Jusqu'à ce que nous ayons fini. D'accord. Que je vous dise. Nous refusons d'accepter une fusion. Et cela, quelle qu'elle soit. Voilà.
Tu ne m'as pas écouté. Tu n'écoutes rien. Tu préfères attendre que l'on cloue ton cercueil. Regarde ça, gros poids d'acier. Ça suffit pour te faire réfléchir. Le prix de l'or est en hausse. Ça vaut plus de 10 millions de dollars. C'est à toi. Hier soir, un disciple de cette école a semé le trouble dans une boîte de nuit. Ça affecte la réputation de l'école. Et ça, je ne le veux pas. Alors j'espère qu'il va se dénoncer sans tarder. Qui a fait ça? Qu'il se lève! Qu'est-ce que je vous ai appris, hein? Hein? Un homme doit assumer ses actes! Bon. Je vais compter jusqu'à trois. Si personne ne s'est dénoncé quand j'aurai dit trois, vous serez tous punis, vous serez renvoyés de l'école! Hein? Deux! C'est bon, ça suffit. Ne vous inquiétez pas, il est coriace. Hey, mais mes hommes sont exténués, ça se voit. Oui, ils ont l'air fatigués. Je vais leur payer un dîner. Mais c'est... c'est pas la peine. Tu as terni la réputation de notre école. Alors je te le dis, je te renvoie. Pars et ne reviens pas. C'est toi. Justement, je voulais te voir. J'ai bien réfléchi. Ce qui te conviendra le mieux... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous pourriez me ramener à la boîte d'hier? J'aimerais leur faire payer pour ça. Tu te prends pour Bruce Lee? Oublie, c'est ridicule. Tu mérites mieux que ça. Je sais pas jouer au foot. C'est un ballon de basket? Entraîne-toi là-dessus. Tire dans la poubelle. Ouais!
Pour lui, au basket, l'important, ce n'est pas seulement de gagner. S'il joue au basket, c'est pour retrouver ses parents. C'est le plus important. Tu vois, dans l'assistance, ils ont les larmes aux yeux. Ils le soutiendront pendant les matchs. Ça fera des gros titres des journaux. Arrête. Abandonné par ses parents, il joue au basketball pour les retrouver. Son histoire est très émouvante. Même s'il ne fait pas gagner l'université, ça fera de la publicité. Regardez cet air innocent, hein? Il n'est pas seulement obéissant. Il peut être un modèle pour les étudiants. Parce que il a le mental d'un athlète, il élève l'esprit sportif à un très haut niveau. Il pourra montrer à tous les vertus de la culture chinoise. Nous connaissons l'importance des parents. Fang jouera au basket jusqu'à ce qu'il les retrouve. Ce garçon est acharné, il ne lâchera pas. Accueillant comme il se doit, Fang chute. L'orphelin du basket aime tellement ses parents qu'il n'arrêtera jamais ses recherches. Fang chute. Je suis obligé d'avoir cette tenue. Naturellement. C'est super, viens par là. Lis ce que j'ai écrit pour toi. Je vous remercie pour votre soutien à tous, surtout mon oncle Lee, et aussi le président de la Ligue. Que voici. J'espère que je pourrai retrouver mes parents très bientôt. Je vais travailler très dur, je le jure. Personne ne peut entrer dans l'équipe sans la permission de notre capitaine. Mais je... Qui c'est celle-là? Elle fait partie de l'équipe, et c'est vrai que c'est une tradition. Mademoiselle, puisque les journalistes sont présents, demandons à Fang Shichi de jouer. Hein? Les traditions de l'université doivent être respectées même par le président. Fang Shiji pourra entrer le dans l'équipe capitaine dès que le capitaine s'appelle Dingwei. L'équipe vient de fêter ses 20 ans et il est en quatrième année à l'université. Fang Shiji attend la réponse du capitaine de l'équipe. Il mais est très pour l'instant, le capitaine ne l'a pas encore vu jouer, alors il n'y a aucune... Alors où est Dingwei? On ne sait pas, il répond pas. C'est bizarre, on peut toujours le jouer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mademoiselle, on a peur? Se cacher, c'est pas une bonne idée. Hein? Comment ça se fait qu'on a pas de Michel? Ça ne répond pas. Fang peut aller sur le terrain, vous verrez. À chaque fois, il marque des paniers. Il marque toujours. Jeune homme attend ton autorisation pour rejoindre notre équipe. Quoi? C'est lui le capitaine? Comment il joue s'il boit? Ça va? Il est là! T'as été super. Bon, reculez, reculez. Laissez passer ses compères. Reculez. Reculez. Il va jouer. Wow. Oui. Oh, impressionnant. Tu as lu les journaux? On le compare à Oliver Twist. C'est pas génial, hein? On va se faire une fortune.
t'inquiète pas. Allez, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont fait ce montage? Ils racontent n'importe quoi. Le petit orphelin écrasé par le capitaine de l'équipe? Mais c'est génial! On va attirer les foules! Arrêtez de raconter des histoires aux journalistes. Tu connais pas ce métier? Tu n'es ni Yao Ming ni ce cher Liu Xiang. Ils n'ont pas grand-chose à dire, mais ils font toujours les gros titres de la presse. Ils n'écriraient rien sur toi sans ça. Il faut des trucs à se mettre sous la dent, et plus c'est scabreux, mieux c'est. Ce n'est pas toi qui les intéresse, c'est une bonne histoire. Ah, je vois. Tu t'inquiètes à cause du mot écrasé. Les gens adorent ça. Et pourquoi? Parce que t'es un génie, ils ne le sauront pas. Les gens sont toujours jaloux des génies. Alors c'est mieux. Si t'es célèbre, tu auras tout. C'est comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, c'est être connu. Allez, Phil, va t'entraîner. Ne t'inquiète pas, c'est très bien. Va. C'est pas terrible. Capitaine, je sais que tu es écœuré. Si tu veux me frapper, ça me gêne pas. Qui a dit que c'était ce que je voulais? Il y a une règle pour tous les basketteurs. Celui qui contrôle le rebond, contrôle le match. Tu sautes très haut. Alors ne pense plus qu'à une seule chose pendant les matchs, le rebond. C'est inintéressant. J'adore tirer. Je ne manque jamais un lancer. Bonjour. Pourquoi vous arrêtez? Allez, jouez. Salut. Oh, tu te sens bien? Mon petit frère, tu n'es pas malade? Tu débarques bientôt? J'ai trouvé une arme secrète. C'est quoi ton arme secrète? Cette année. Pas possible. Dans les trois premiers. S'il te plaît, arrête de rêver. Bon, alors dans les huit premiers? Ça, c'est faisable. Moi, je crois que tout est possible. J'ai de l'espoir. Vas-y. Allez, tire. Encore une fois, allez. Oui, oui, c'est prêt. Oui, allô? Je suis l'agent de Fang Shiji, l'orphelin qui fait du basketball. J'ai des photos à vous envoyer, mais je n'ai pas l'adresse. Oui, je vous écoute. Fang Shiji, il tire super bien, hein? Salut! Salut Lily! Voici Xiaolan et voici Fang Shiji. Xiaolan était blessé, il revient juste aujourd'hui. Ah, bonjour. Lily m'a parlé de toi. Elle dit que tu es doué, que tu es impressionnant. C'est vrai? Mais on va voir comment tu progresses à l'entraînement. Elle a aussi dit qu'il te manque des bases. Alors, tu te crois meilleur que ce jeune garçon? Hein? Défie-le si t'en as le cran. Hein? Tu sais qui c'est, le héros de l'équipe? C'est Fang Shiji. Pas vrai? Ouh.
Pourquoi est-ce que tu applaudis? Arrête, il y a des journalistes. Il y a un truc qui cloche. Qui c'est le héros dans ce match? Vous parlez de Fang Chi-Ji? Naturellement. Il est nouveau, sa place est sur le banc quelque temps. Ce pan de malheur, il est toujours dessus. Faites quelque chose. Vous parliez de quoi? Elle dit qu'elle aimerait te voir jouer. Je lui ai dit d'attendre. Il faut agir. Je vous préviens, il ne reste que 5 minutes, si vous ne le faites pas jouer, je fais un malheur. Fais rentrer Fang. Super, je suis bien avec vous. Invite-toi à rentrer. C'est Fang. Tu as mangé? Fang! Ah, oh, ça me fait plaisir de t'entendre! C'est vrai? Oui, parce que y a un pervers qui fait le pied de grue devant chez moi depuis une heure. Hein? Un pervers, tu dis? J'ai appelé mon frère. Il va pas tarder. Allô? J'ai plus de batterie. Allô? Au revoir! Oh, faut que je file, moi. Fang?
des siècles que je m'entraîne. Tu m'apprends à claquer un dunk ? Attends. Toi, tu veux courir avant de marcher. Prends ton temps. C'est si difficile de claquer un dunk ? Le kung-fu aérien n'a pas de secret pour moi. Ça doit pas être si difficile. Pour l'entre-deux, il y a le capitaine Ding Wei, le gros marqueur Zhang Yi, le pivot Yang Rong, le fort jamais vu. T'es nouveau ? Ravi de te rencontrer. On n'est jamais ravi de se rencontrer. Ce jeu est cruel. Tu vas entendre que des gémissements et des hurlements, des « Ah, t'es le meilleur !» Pour moi, des « Oh, pourquoi tu pleures ?»« Oh, je suis désolé pour toi. » C'est un sport cruel. Vous êtes prêts ? Yaolan vient de dunker. C'est fantastique. Bravo. Les journalistes sont à l'affût. L'orphelin qui cherche ses parents est au centre de toutes ces discussions. Fang Shiji récupère le ballon et le passe au capitaine Ding Wei qui marque. Dommage que Fang Shiji ne sache pas dunker. Fang a de nouveau le ballon. Il va tirer, il tire et il marque. 3 points. Un tir magnifique. Il ne loue jamais. C'est le meilleur, ce petit. Fang a le ballon. Une feinte du défenseur. On dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime. Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Ça va ? Bravo ! Vas-y, allez, Marc, t'es le meilleur ! Claque un dunk, allez ! Allez, vas-y ! Fang Shiji a le ballon et on peut dire que la foule est en délire ! Un dunk, la foule l'acclame, il n'y aura pas une pareille opportunité. Les géants du basket sont sur le terrain. Fang est investi des esprits de Jordan, Kobe Bryant et Magic Johnson. Fang Shiji va entrer dans la légende du basketball. Il y va, il y va, il y va. Il a marqué. Il vient de faire gagner son équipe. Ce jeune homme vient de naître. Bon anniversaire, bon anniversaire. Fang Shiji et longue vie. Ça va, toi ? T'es fatigué ? Ça va. Oh, excuse-moi. Oh, t'as joué comme un dieu, petit. Tout le monde t'en gardait, mon garçon. Tu es l'âme de l'équipe. Tu es un génie, petit. Tu es le meilleur. Continue comme ça. We'll be right back.
Quelle date conviendrait? En mars prochain. Alors on peut dire 1,3 million de dollars? Ça ne peut pas être un peu moins. Allô? Ah oui, 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 oui. Je vais organiser une interview. Pas de problème. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans deux jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Je te donne ma carte. Prends-la. Je peux t'aider à progresser. T'es le capitaine des Fireball? Eh oui. Tu me téléphones? Essaie d'y penser. Salut. Ouh. Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir pour rattraper le temps perdu. Oh là là! C'est génial! Tous nos vieux amis sont là ce soir. Bon allez, on se voit au match alors. Hein? Ouais. Oui, je crois que je l'ai vu. C'est qui? Une bonne affaire. C'est moi, je viens parler affaire. S'appelle Lithian. Il était dans l'équipe il y a 2 ans. Comme toi, il n'y connaissait rien au début, mais il était super doué. Il a tout pigé très vite. Et puis un jour, il a totalement changé de comportement. Il ne nous a pas seulement lâchés la veille d'une finale, il a emmené les meilleurs joueurs avec lui. Ça te fait mal que je sois toujours le meilleur, hein? Et d'après ta gonzesse, c'est pareil en amour. En fait, ils étaient presque à égalité. Il restait 2 secondes et on n'avait qu'un point de retard. Mon frère devait tirer 2 lancers francs à 3 points. Ouh, ce qu'elle était bonne. Yes. Mon frère était au bord de la crise de nerfs. Au moment où il avait lancé le ballon, tout le monde avait compris. À ce moment crucial, il a craqué. Son ennemi le plus féroce s'était dévoilé. Le tremblement de ses mains. Depuis ce match, mon frère n'a jamais pu reprendre le dessus. Il se console en buvant. T'inquiète pas, je vais pas laisser Lithian continuer. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Oncle Lee pourrait te vendre. Il le fera pas. C'est impossible. On n'y va pas. Si tu te bats, tu n'auras pas le droit de jouer. Tu représentes mon rêve, mon ambition. Ils ne peuvent pas me les voler. Je pourrais vendre mon rêve? Merci. Merci pourquoi? On ne vend pas la poule aux œufs d'or. Pourtant, le prix était attractif.
Et ils sont persuasifs. S'il te plaît, ne lâche pas. Ne me fais pas regretter ma décision. Je ne vous décevrai pas. Ce sont les hooligans. Au Japon, ils ont interdiction de jouer. T'arrives à dunker, j'ai fait comme toi, hein? Désolé. Eh, hey, le match il y a deux semaines, Pang. Tu te rappelles, t'as claqué un dunk à 15h25. C'est pas que je veux te copier, je veux pas m'éclater la tête contre le panneau. Tu peux rien contre moi. Mais... Oh, pardon, t'as pas mal. Pourquoi? Oui, Japon! Capitaine! Ça va? Ça va? Doucement. Je te tiens, ça va. Attends, je vais voir. Rappelle, il y a une minute,
T'as osé cogner sur mon capitaine. Y'a pas que toi qui as de la mémoire. Fais ce que tu veux. Vous avez perdu. Je n'ai pas encore terminé le... Allô ? Allô ? Pas de panique ! Il s'agit d'une coupure de courant. Le match est interrompu. Veuillez sortir dans le cadre. Le comité vient... On peut dire que tu as de la chance. Rassure-toi, ça ne durera pas, c'est évident. On va gagner tôt ou tard. Les dieux sont de notre côté, j'y peux rien, moi. C'est ma chance ou c'est votre poisse? Au revoir. Allez. T'as été dans les nuages tout l'après-midi. En fait, je pense à mes parents. Je suis persuadé qu'ils étaient là. Tu as vu tes parents? J'ai senti leur présence. C'est bizarre. Dites, pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus me voir? T'as raison, c'est curieux. Tu te souviens de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la bagarre? Frère, où? Je ne cherche pas la bagarre, tu peux me croire. C'est moi qui ai coupé le courant. Ça vous a plutôt avantagé, non? Alors, c'était toi. Mais pourquoi? Pour être franc, j'ai quitté Bitianao. Je veux qu'il perde. J'ai parié sur toi et ton poulain. Ouh! Beaucoup d'argent? 5 millions de dollars. Fang Shiji, regardez-la. Ça va? On t'a vu à la télé, c'était cool. Tu es en forme. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Dis, est-ce que tu as trouvé tes parents? Non, pas encore. Fang Shiji. Retrouver ses parents avec le basket, c'est mieux qu'un soap opéra. T'es un comique, toi. Tu es dans les journaux tous les jours. Et ils ne croient pas que j'étais ton maître. Il est passé au journal de 20h. J'aimerais que vous lui rendiez service. Un match de kung-fu basket. D'accord, il a toujours été mon petit protégé, je l'adorais. Oui, ça c'est vrai. Ses affaires nous concernent aussi, n'est-ce pas? On a toujours été avec lui. Ça c'est sûr, seulement, il fallait que ce soit légal. Il n'y avait pas de problème. On aurait fait ce qu'il fallait pour l'aider. Remercie les tous. Vous l'avez pas entendu? Il a dit on aurait fait ce qu'il fallait. Il a parlé au passé. Pourquoi ça? On n'a plus l'école. Bitianao nous a tout pris, il dirige l'école. On va être franc avec toi. Pendant toutes ces années, on était sous la coupe de cette saloperie, ce fumier de Wang Biao. On est des ringards. On a fait un travail de nul à l'école. Mais c'est quand même grâce à lui qu'on mange à notre faim. Mais on peut pas tout sacrifier pour une médaille. Et qu'est-ce que t'en dis? C'est notre feuilleton qui commence. Ah oh, oui, t'as raison. Hello? C'est moi. Hein? J'ai pas le temps. Ça m'est égal quel journal, j'ai pas le temps.
qui ne va pas chez moi? Rien du tout. C'est moi le problème. Je n'accepte pas qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie. Tu es... Je suis quoi? Rien. Dis-moi. Tu veux le savoir? T'es sûr que tu te manqueras pas? J'adorais les glaces quand j'étais petit. Seulement, on m'en donnait jamais. Alors j'aurais fait n'importe quoi pour en avoir une. Et tu me fais penser à une glace. Je savais que tu te moquerais. Éclopés et deux gros nuls qui savent pas dunker. On peut dire qu'on est à 5 contre 1. Toi, Fang. Minute. Ce sont pas des étudiants, ils ont pas le droit de participer. Si, je viens juste de recevoir leur inscription. Alors ils ont droit de jouer. Hein? Mais vous avez vu leur âge? Néant.
Tu as du charme, toi. Oh, qu'il a des jolis muscles, celui-là. Une de ses formes. C'est dommage qu'on ait dû arrêter. Ah oui, moi aussi, je m'éclatais comme un fou. Fang Siji, on t'a demandé de venir ici parce qu'on t'a apporté quelque chose. Fang Siji, on t'a vu à la télévision. On est vraiment désolé de ne pas avoir assumé notre responsabilité de parents. Continue à jouer aussi bien. Nous serons là pour t'applaudir. C'est mes parents. Oncle Lee nous a donné cette lettre hier soir. C'est cette lettre qui a réussi à nous faire changer d'avis. T'attendais pas à ça, hein? On s'est remis de nos blessures. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman,
Dans 3 secondes, c'est fini. Il reste un lancer. Je te laisse, Xiaola. Allez, allez, faut avoir la pêche, les amis. Allez, 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 vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est de la triche. Maître. Saute maintenant, mon gars. Vas-y, claque un dunk. T'as vu la tête de ton tibia? C'est trop tard pour te soigner, mon garçon. Tu peux pas utiliser le qigong. Je suis foutu. C'est pas à toi, c'est à lui. C'est Xiaolan qui doit tirer, ok? Allez, accroche-toi, hein. Ça va? Accroche-toi. Ça fait un de moins. Concentrez-vous sur Xiaolan. Pas du tout. Moi, je suis l'arme secrète de Bi Tianao. Silence, silence, silence. Les fautes de jeu ne s'appliquent qu'aux joueurs. Lui, il est arbitre. Cet arbitre a commis une faute, il est disqualifié. Cela étant dit, les Fireballs ont gagné. Les Fireballs remportent ce match. Ce monde est fait de minuscules particules et la mutation de l'univers se sert du chi pour désassembler ces particules. Il les dissocie, puis il les reconstruit, le tout en une seconde. Le temps et l'espace se figent. On peut même remonter le temps. Thank you.
Tire, c'est une passe! J'avais enfin compris que l'important au basket, ce n'est pas de dunker, mais de jouer en équipe. Ouais! Allô? Ils le veulent? Ils le veulent vraiment? Quoi? Quel contrat? C'était un accord verbal? Oh bon, on verra. Mais on reparlera d'argent un peu plus tard. Là, je suis occupé à fêter la victoire. Quelle abruti, celui-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Quoi? Vous vous souvenez du pari? 5 millions? Quoi? Moi, j'ai dit ça? Faut pas jouer les marioles avec moi. Non, non, faut pas s'énerver. Par ici. Reste là. Bouge pas. Ouais! Mais Sophie, c'est là! Maman? Désolé, avec un mais je n'ai plus d'encre. Ça ne fait rien. Ton autographe ressemble au sien. Hein? Qui êtes-vous? Je suis une super fan. Je la reconnais, cette écriture. Elle est mignonne. Alors, tu la reconnais? Ah oui, je l'ai déjà vue. Naturellement. Hein? C'est dans la lettre donnée par tes maîtres. Ben quoi? Hé hey, quoi? Ça t'a pas fait plaisir, hein? Si je l'avais pas fait, t'aurais joué? Franchement, si t'avais pas joué, ils auraient pas gagné, tu serais pas célèbre et on aurait pas... Qu'est-ce que tu fais? Bon, bon, d'accord. Tôt ou tard, tu t'en iras, c'est toujours comme ça. Je peux aller faire pipi, non? Oui? Je le sentais. Tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas égoïste. T'es un super gentil, ça se voit à tes oreilles. S'il vous plaît, qui est Fang Shiji? Hein? Wang Yiwan? Son père est l'homme le plus riche du pays, c'est bien ça? Vas-y, choisis. Prends un costume. Pour rencontrer ton père, tiens, ça sera bien. Il doit être cher. Mais c'est pas grave, ça t'ira très bien, essaye. Oh, 2 600 $? Il y a sûrement une erreur. Ça fait rien, c'est mon cadeau. Tu es sûr? Bah oui, le dernier. Allez, prends-le. Allez, pour l'instant tu es pauvre, mais demain tu seras riche. Tu ne sauras plus quoi faire de tout ton argent. Allez. Tu es trop gentil. Ne sois pas si naïf, Fang. Je te considère comme une valeur marchande. Faut que tu saches qu'il y en a plein des comme moi qui t'attendent. Quand on est riche, faut pas faire confiance. Désolé. Alors, tu l'essayes? Tu crois que c'est bien? Naturellement, à ce prix-là. Allez. Je reviens. Pourquoi on est venu ici?
C'est hors de prix. Ah, c'est du vol. On n'a pas le droit d'être aussi cher. Ce collier, c'est moi qui te l'avais mis. Voilà qui me prouve que tu es mon fils. Maintenant, j'en suis sûr. Mon cher fils. Mais alors, pourquoi tu m'as abandonné ? Je venais de faire faillite. Mes créanciers me tenaient, ils voulaient ma mort. Pour te sauver, j'ai été obligé de t'abandonner, mon fils. Je m'en veux encore. Je voulais t'épargner tous mes problèmes. Mon cher fils, approche-toi, que je te regarde de plus près. Vas-y, ça va payer. Allez. Je te suis tellement redevable. Dès demain, je vais t'emmener à Londres. Je vais te déclarer en tant que mon héritier. Dans la capitale de la finance. Je te dois bien ça. J'ai tant de choses à te dire, mon fils. Oui, tant de choses à te raconter. Viens dans le bureau avec moi. Tu as l'air tout triste. Si tu penses à Fang Shiji, pourquoi tu vas pas le voir? Il a changé d'univers. Il a une nouvelle vie à présent, avec de nouveaux amis. Ne le salue pas la prochaine fois que tu le verras. Ce n'est plus le même homme. Tu n'as rien mangé de la journée. Je vais te préparer quelque chose. Tu buvais ça?
94? Non. C'est un 82 et un 2002. Il est excellent. Je croyais que t'étais parti à Londres. Non, je suis mieux ici. Abruti. Pourquoi? Eh ben... j'avais rendez-vous. Avec l'homme qui m'a fait jouer au basket. Il voulait que je devienne célèbre pour être une poule aux œufs d'or. Mais je sais que c'est un type bien. Et qu'il a placé tous ses espoirs en moi. Ça m'a fait changer. J'ai vraiment changé grâce à lui. Le type dont tu parles n'est qu'un pauvre loser. Il ratait toujours tout. Il voulait en finir avec la vie. Le soir où il t'a rencontré. Tu as changé sa vie. Tu lui as redonné goût à la vie. Et redonné aussi sa fierté. Il t'en remercie. Je peux continuer à jouer au basket pour toi. Tu ne vas pas jouer au basket. Ça ne sert à rien. Les Jeux Olympiques n'ont plusieurs disciplines. Lancer de disque, de poids, de javelot, saut en longueur, saut en hauteur, mais aussi saut à la perche, tu récolteras les médailles. Et aussi tir à l'arc, et tu crois? Mais oui, tu as un Kung Fu Golden Boy. Ah oui, j'avais oublié Kung Fu, et je sais bien nager, et je cours très vite aussi. Avec la publicité, on va se faire des millions de dollars. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais un plan. On peut même essayer le cinéma ou les concerts. Ouais, écris des chansons. Et on pourra porter une fleur. Oui. Mais je sais pas chanter. Tu pourrais devenir astronaute, aller dans l'espace. Il n'y a pas de paradis dans l'espace. Ah oui, tu presses. J'arrêtais donc de rechercher mes parents. Mes quatre maîtres devinrent célèbres, mais il faut que je vous raconte ce qui s'était passé entre eux et Wang Biao avant le match. Tu n'es plus l'homme au poing d'acier que j'avais rencontré il y a très longtemps. Oh, comme vous venez de le dire, c'était il y a très longtemps. Ne parlons plus de ça, s'il vous plaît. J'aimerais profiter de l'occasion pour affronter le grand maître Wang Biao. Je voudrais le battre. Si je perds, je vous promets que je viendrai dans votre équipe. D'accord, je suis partant. Allez, grand maître Wang, au travail. Je ne peux pas. J'ai fait le serment de ne plus jamais me battre. Je ne peux pas trahir ma parole. Ça suffit. Faut qu'on aille sur le terrain. Allez, on y va. Oui. Wang Biao. Eh? Arrête de trouver de fausses excuses pour ne pas y aller, sinon je m'occupe de toi. Oui. Attendez. Qui est-ce qui vient m'affronter? Que je puisse lui régler son compte. Allez, viens. On était amis autrefois, hein? N'ayez pas la main trop lourde. Ne vous inquiétez pas, elle sera pas lourde. Hey. Juste foudroyante. Hein? Quant à Lily, elle finit par me dire... Quand est-ce que tu vas manger comme une glace? Tu veux te battre? Je suis toujours de soi, moi je suis toujours de soi.
prenez soin de lui. Au revoir. I want somebody to know that I'm not alone.